Donc, cette coupe laconienne nous montre clairement l'importance de la production agricole, mais aussi de son contrôle centralisé. Une intervention étatique qui se révèle nécessaire tout au long de la vie d'une cité, mais encore plus, vous l'imaginez bien, en temps de pénurie, de difficulté. Le but étant, évidemment, non pas de faire face uniquement aux pénuries et aux famines, mais de les prévenir aussi autant que possible. Or, si le mouvement colonial, la Poikia, pouvait représenter, entre autres, une solution adoptée par les Grecs pour faire face à aux difficultés de la sécheresse et donc à la famine qui pouvait s'en suivre, il faut dire que plusieurs cités et communautés du monde grec ont essayé de mettre en place des dispositifs spéciaux et des stratégies de survie, en particulier pour ce qui concerne l'approvisionnement de céréales. C'est ainsi qu'à côté du binôme Limos-Leumos, la citodeia, c'est-à-dire la pénurie de céréales, ou d'autres termes équivalents, la situendeia, devient un terme standard dans nombreuses inscriptions qui, à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ, font référence à des urgences de fourniture alimentaire. Là, vous en avez un bel exemple d'une inscription qui provient d'Athènes, c'est un décret d'Athènes, qui, datable de façon un peu générique autour de la moitié du 5e siècle, donc avant la guerre du Péloponnèse, et qui nous parle d'une pénurie de blé. Et là, vous voyez ici, à la ligne 6, Sito Endeias, avec AS intégré. Donc, là, un manque de blé. Et nous avons donc déjà un premier exemple au 5e siècle. Il y en a plein d'autres, il n'y a pas que celui-là. Il suffit de lancer une recherche et vous tomberez sur plein d'inscriptions qui nous témoignent de ce phénomène. Il est bien, par ailleurs, de préciser que les cités les plus touchées par les pénuries de blé étaient le plus souvent des cités qui étaient normalement riches en blé. Les cités de Béotie ou des bords de la mer Noire, où l'on avait en principe, pas de raison de prévoir un manque. Athènes, au contraire, dont la survie pouvait dès l'origine être fortement compromise par une pénurie de ce genre, avait pris, on le verra par la suite, la précaution de légiférer très rigoureusement et d'établir des liens diplomatiques particulièrement utiles de ce point de vue pour éviter le danger d'une situendeia. C'est-à-dire d'une pénurie de blé. Donc, ça pourrait sembler paraître paradoxal, mais c'est vrai que des cités comme Athènes souffraient la citodeia moins que d'autres qui, en réalité, produisaient du blé. Et venons-en maintenant aux solutions adoptées au fur et à mesure par les communautés grecques afin de faire face aux difficultés d'approvisionnement alimentaire. Une première solution face aux pauvres récoltes causées par des mauvaises conditions climatiques, entre autres, peut être la mise en place de mécanismes de commerce des céréales. C'est ce qu'on vient d'évoquer pour Athènes. Certaines régions pouvaient, selon les conditions, exporter ou importer des céréales. Et il faut dire à ce propos qu'on reprochait souvent aux grands propriétaires terriens de spéculer sur le prix des aliments, ce qui entraînait à l'occasion l'intervention des autorités municipales. Ceux-ci emmagasinaient leurs céréales en attendant une pénurie et une hausse des prix avant de les proposer aux acheteurs, puisque le prix en cours pouvait varier grandement selon les saisons, et selon l'abondance sur les marchés ou selon les situations de crise sociopolitique. Donc ça, c'était un peu l'attitude des grands propriétaires terriens qui emmagasinaient en attendant de voir comment le marché allait s'évoluer en fonction des crises, des récoltes, de situations de tension sociopolitique.
Et puis, ils allaient revendre le blé, évidemment, à des prix qui étaient très intéressants pour eux, moins intéressants, évidemment, pour le reste du peuple. Et de nombreuses cités ont donc préféré légiférer contre la spéculation, qui d'ailleurs aggravait davantage les problèmes d'approvisionnement des populations les plus vulnérables en période de pénurie. Ainsi, après les guerres médiques, c'est-à-dire contre les Perses, l'importation des céréales était devenue tellement indispensable pour la cité de Théos, en Asie mineure, près d'Éphèse, que des magistrats étaient 3 fois par an tenus de proférer une malédiction sur quiconque. Je devrais avoir, voilà, là vous voyez l'épingle rouge de Google, la localisation de Théos, et vous pouvez lire aussi le texte en grec de l'inscription où les magistrats proféraient cette malédiction sur quiconque perturberait l'importation de blé par voie terrestre ou maritime, ou encore qui essayerait de pousser à la hausse le prix des céréales importées. Vous pouvez le lire parfaitement ici, le citon encore une fois, le blé, et qui empêche de importer Esagestai, n'est-ce pas, avec une manière ou une autre, non, par terre ou par la mer, vous voyez, mer et terre, de façon, voilà, marino-continentale, on pourrait dire, ou ce qui essayerait de, comment dire, mettre des intérêts, en particulier un peu sur la vente du blé, et bien que lui soit maudit, apolustai, et qu'il soit maudit lui-même et toute sa famille. Donc, voyez, une expression d'ailleurs, apolustai, kai auton, kai genos, tokenon, qu'on retrouve tout le temps, qu'on retrouve très souvent quand il s'agit de proférer une malédiction. C'est intéressant d'ailleurs que dans cette inscription de Théos, datant, vous voyez, juste après les guerres médiques, donc au début du 5e siècle, eh bien, la malédiction contre ceux qui empêchent l'importation de blé ou qui font de l'argent là-dessus, pour parler de façon un peu plus simple, eh bien, cette malédiction suit immédiatement la toute première malédiction qui, en réalité, se réfère à ceux qui empoisonnent la population. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire que dans l'échelle de gravité des péchés, si vous voulez, des crimes plutôt, eh bien, l'importation, le fait d'empêcher, de perturber l'importation de blé, était considéré à la deuxième place, juste après l'empoisonnement de la population. Donc c'était quelque chose d'extrêmement grave, vital, autrement dit. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on enregistre à Théos, donc en Asie mineure. Et au moment de la guerre du Péloponnèse, ou plus tard, on sait par exemple que Athènes recevait beaucoup de céréales, en tout cas suffisamment pour pouvoir couvrir tous ses besoins essentiels. Et c'est pourquoi, dans le livre premier de l'histoire de la guerre du Péloponnèse, Thucydide nous raconte, nous parle de la décision prise par Périclès, qui n'était pas encore mort, de convaincre les Athéniens à abandonner les campagnes et se réfugier à l'intérieur de la muraille d'Athènes. Pourquoi ? Parce que les Athènes pouvaient désormais compter sur l'aide et sur les céréales, et donc sur les importations provenant de ses propres alliés, et qui arrivaient directement dans son propre port, le port du Pirée, et qui par la suite rentraient dans la cité d'Athènes. Donc, autrement dit, Périclès demande, au début de la guerre du Péloponnèse, aux Athéniens d'abandonner les campagnes, de les laisser à l'abri, si vous voulez, des Spartiates, qui tôt ou tard arriveront, et qui feront des ravages de les campagnes attiques, parce que, malgré tout, ils n'ont pas besoin. Ils ont assez de céréales provenant de son empire, des alliés, qui constituent son empire, qui appartiennent à son empire. Or, ça c'est la situation que l'on enregistre pour le 5e siècle,
Et dans le 4e siècle, évidemment, Athènes commence à connaître son déclin, et c'est là que la situation devient plus compliquée. Et donc, on est bien renseigné sur ce qui se passe à Athènes dans le 4e siècle avant Jésus-Christ. C'est le moment où une véritable législation, comme on a déjà anticipé, fut mise en place. Il y a des lois que nous connaissons à travers les témoignages d'Aristote, de Lysias, et des lois qui régissent, qui régissaient plutôt l'importation de blé et surtout la commercialisation dans la ville d'Athènes. On sait par exemple, ah, ça, c'est justement ce qui se passe, ça prouve justement la quantité de blé qui était importée à Athènes au 4e siècle, notamment dans la deuxième moitié du 4e siècle. Période de difficultés extrêmes pour Athènes qui devait faire face désormais aux Macédois. Et là, si vous lisez un peu les chiffres, bah, vous allez voir que Athènes importait à cette époque, et on le sait grâce à cette inscription qui a été retrouvée à Cyrène, la colonie dont on a parlé dans le premier module, eh bien Athènes importait 100 000 médimnes de blé de la ville de Cyrène. D'ailleurs, cela confirme ce qu'on vient de dire à propos de Cyrène, de la richesse au niveau de la production agricole de la ville de Cyrène, de la colonie de Cyrène, et cela montre aussi l'importance des importations de céréales pour la ville d'Athènes, qui dépasse et largement les autres cités du monde grec, en tout cas celles qui sont mentionnées sur l'inscription en question. Donc ça montre aussi, d'autre part, la difficulté, la pénurie alimentaire, probablement de la ville d'Athènes, à ce moment de difficulté aussi politique et militaire. Eh bien, beaucoup de blé arrive à Athènes, 100 000 médimnes selon cette inscription, et on sait que de la part de Cyrène, mais évidemment Athènes recevait du blé aussi d'autres parts du monde, et notamment de la mer Noire, n'est-ce pas? Et donc là, il faudrait rajouter évidemment ce chiffre, il faudrait ajouter à ce chiffre le chiffre provenant d'autres endroits du monde grec. Compte tenu de l'importance et de la quantité de blé qui rentrait à Athènes, comme je vous l'ai dit, une législation a dû être mise en place pour la commercialisation et la distribution du blé dans la ville. Et c'est là que, grâce à Aristote et à Lysias, on sait par exemple qu'il était interdit à toute personne domiciliée à Athènes, citoyen ou métèque, de prêter de l'argent sur une cargaison de blé destinée à une autre cité qu'Athènes. Il était interdit à toute personne domiciliée à Athènes de débarquer du blé ailleurs qu'au Pirée. Il était alors obligatoire de vendre les 2 tiers de la cargaison à Athènes, tandis que le dernier tiers restait au port, au Pirée. On savait que les citopoloi, c'est-à-dire les marchands de blé, ne pouvaient acheter plus de 104 mesures de blé à la fois aux importateurs. On sait qu'il y avait des magistrats spéciaux, les citophylaques, hein, ceux qui surveillent au blé, qui veillent au commerce du blé, et qui vérifiait que le blé se vendait au marché au juste prix, et que la farine et le pain étaient vendus en proportion du prix des céréales, et que les pains avaient bien le poids réglementaire. Vous voyez, tout cela montre la peur d'une spéculation et du risque aussi d'une pénurie. Et puis, on sait aussi qu'il y avait des inspecteurs, au Pirée, les épiméletaï, en poru, qui veillait à l'application de la réglementation sur le blé à Athènes, en particulier à l'application de la loi qu'on a mentionnée des 2 tiers. Il est, à mon avis, à remarquer dans ce cas que le commerce du blé est le seul à avoir été réglementé de la sorte. Donc, vous voyez l'importance des céréales dans le régime alimentaire des Grecs. Et on en reparlera dans la suite du cours. Il est tout aussi notable que ces lois qu'on vient de mentionner visaient principalement à assurer la régularité de l'approvisionnement et à protéger les intérêts des consommateurs, mais non pas à favoriser un commerce florissant. Donc il y a plutôt une envie de se protéger qu'une envie d'investir et de faire du commerce.
D'autres exemples vont dans la même direction. Un document extrêmement intéressant nous est livré, par exemple, par Aristote, dans le traité de la science économique, dans le livre 2, notamment de la science économique. On apprend ainsi qu'à Selimbria, c'est l'Umbria, en Thrace, à l'ouest de Constantinople, de Byzance, il existait une loi contre l'exportation des céréales. Donc là, pour le coup, ce n'est pas une inscription, mais c'est le texte d'Aristote qui nous raconte, qui nous témoigne de l'existence de cette loi. Et vous voyez, comme ils avaient besoin d'argent et qu'il restait encore d'ancien blé, ils firent une décision qui obligeait chaque particulier de donner à la ville tout son blé pour un prix déterminé et de ne garder chez lui que ce qui était nécessaire pour la nourriture de sa personne pendant un an. Puis ils permirent l'exportation de ce blé ainsi amassé à quiconque s'offrait, après en avoir fixé le prix à leur convenance. Donc, il y avait la possibilité d'exporter du blé, s'il y a une loi qui était contre l'exportation. Mais cela veut dire aussi que s'il y a une loi qui, comment dire, défendait et qui empêchait l'exportation, ça veut dire aussi que la cité de Selimbria avait besoin, en temps normal, de la totalité de sa propre production locale. Et ça veut dire aussi que la cité de Selimbria faisait cela dans un but de protection, de autoprotection. C'est-à-dire, on met du blé de côté parce qu'on ne sait jamais si on tombe, si on va avoir de la pénurie alimentaire, si on va avoir une crise, si on va avoir une disette, et donc on a au moins du blé de côté qu'on pourra éventuellement revendre si on n'en a plus besoin, ou au moins conserver pour faire face à des difficultés. Ceci, d'ailleurs, est un aspect intéressant parce que il est étroitement lié à notre aspect, dont on parlera dans quelques minutes, qui est celui du stockage, de la conservation des aliments. Donc là, vous voyez effectivement que le blé était conservé pendant une certaine période avant d'être revendu. C'est là un mécanisme qui est extrêmement intéressant parce que, contrairement à ce qui se passait à Athènes, la cité de Selimbria pouvait exporter son propre blé lorsque, par exemple, une famille ne pouvait se déclarer ailleurs. Et donc la cité de Selimbria pouvait exporter son blé, revendre son surplus à des exportateurs à son profit. Voilà, donc vous voyez qu'il y a un mécanisme de protection, mais en même temps d'investissement. Par ailleurs, nous connaissons des stratégies pareilles dans d'autres sites, cette fois-ci et toujours dans le même livre de la science économique. Aristote nous parle cette fois-ci des Clazoméniens qui, pressés par une disette et manquant d'argent pour acheter du blé, arrêtèrent que les particuliers donnèrent à l'État toute leur huile moyennant intérêt. Car ce pays est très fertile en olives. L'emprunt étant conclu, ils équipèrent des navires et les expédièrent dans les entrepôts de commerce où ils achetèrent du blé contre un dépôt d'huile. Donc là, vous voyez, on n'a pas de blé. Les Clazoméniens n'avaient pas de blé. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne vont pas, stocker du blé, mais ils vont stocker de l'huile. Ou plutôt, ils vont donner de l'huile à l'État. En échange d'un paiement d'intérêt, et puis cette huile sera échangée avec du blé ailleurs pour importer du blé. Voilà. Et donc, s'il n'y a pas de blé, on arrive quand même à s'en procurer en passant par d'autres produits, par l'huile dont la ville de la cité d'Abdère était particulièrement riche. Et donc, vous voyez, là, il y a aussi déjà une autre idée dans ce passage qui est extrêmement intéressante, c'est l'idée de la donation à l'État de la part des particuliers. Et c'est comme ça qu'on passe donc à une nouvelle stratégie, si vous voulez, de survie et de protection qui est celle justement de la Citonia et du Citones. En fait, à partir de la fin du IVe siècle, surtout,
Et aux époques hellénistiques et romaines, nous entendons souvent parler au sein du monde grec, lorsqu'il est question de s'assurer de la de blé, de l'approvisionnement de blé, on entend souvent parler d'actions privées, ou d'actions en tout cas menées par des cités avec l'aide d'initiatives privées. À l'époque d'Aristote, donc vers 330 avant Jésus-Christ, l'assemblée, par exemple, des citoyens athéniens se réunissait à 4 reprises chaque mois. Et une science parmi elles, l'assemblée dite principale, était consacrée aux questions militaires et aux discussions sur les récoltes et les importations de céréales. Ceci indique bien à quel point la question de l'approvisionnement était une question politique et économique de la plus haute importance. On l'a déjà mentionné, on l'a déjà dit, mais on le revoit encore une fois. Un fonctionnaire, le citones, avait la tâche de veiller à l'approvisionnement de la cité en grains aux tarifs les plus abordables possibles. Et il avait la tâche aussi de constituer des réserves en prévision de crise, particulièrement à l'époque hellénistique. En effet, de nombreux décrets honorifiques en l'honneur de tel ou tel citoyen font apparaître la pratique de la citonia. Ainsi, des fonds publics ou des fondations étaient consacrés à la création de réserves de céréales, mises à la disposition des citoyens, gratuitement ou à un prix assez abordable, et diminuant ainsi les effets d'une mauvaise récolte. En réalité, la première attestation dans les sources écrites de la citonia remonte à l'an 338. On a déjà mentionné cette année particulière, parce qu'à Athènes, c'est une année dans laquelle on a déclaré un état d'urgence suite après la défaite de Chéronée contre l'armée de Philippe II de Macédoine, et donc l'interruption soudaine des fournitures alimentaires. Dans une telle situation, l'Assemblée athénienne prend une décision importante. Prend la décision de nommer un commissaire extraordinaire responsable de l'approvisionnement de blé. Et là, le choix est assez simple. On décide de nommer comme commissaire extraordinaire pour l'approvisionnement du blé Démosthène. L'orateur Démosthène, qui était parmi les personnalités les plus célèbres et influentes d'Athènes à cette époque, qui était bien connu pour son engagement politique contre les Macédoniens. Et c'est donc Démosthène qui fut nommé citones, et donc responsable de chercher du blé pour nourrir les habitants d'Athènes. Donc vous voyez, la pratique de la citonia est une pratique qui est en réalité assez encore mal connue dans son fonctionnement, même juridique, mais c'est quelque chose qui se met en place très rapidement et qui fait suite un peu à l'expérience de la crise, de la pénurie, de la disette, de la famine connue déjà au 5e siècle et de manière assez violente dans la deuxième moitié du 4e siècle, quand les Athéniens se rendront compte de ne plus être les protagonistes de la mer Égée, parce que désormais il y aura les Macédoniens qui prendront le relais. Et évidemment, la pratique de la citonia se décline de façon différente, trouve différentes déclinaisons. Parfois, des souscripteurs versaient de l'argent à la cité pour constituer un fonds de blé, et puis la cité envoyait des citonai, les acheteurs de blé, acheter du blé aux meilleures conditions possibles grâce au fonds qui s'était constitué par l'intervention de souscripteurs privés. Le blé ensuite était vendu, une fois acheté, il arrivait dans la cité, il était vendu au détail, et avec les sommes recueillies, la cité pouvait rembourser les souscripteurs. Il faut aussi préciser que la plupart du temps, il s'agissait de prêts sans intérêt, c'est-à-dire que les souscripteurs prêtaient de l'argent à la cité sans intérêt, et ils attendaient d'être remboursés une fois que la totalité du blé, ou que le blé qui avait été acheté grâce à leur prêt, avait été vendu au particulier. C'est un système qui marchait assez bien, en tout cas. Parfois, sinon, des personnes privées
En premier lieu, les étrangers, mais puis les habitants même, citoyens et métèques, fournissaient du grain gratuitement. On a déjà à peu près vu ce cas. Ou à un tarif normal, disons en cas de pénurie et d'augmentation de prix. Et puis il y avait aussi ce que l'on appelle un peu, si vous voulez, le mécénat alimentaire, des distributions gratuites de blé aux citoyens. Cela se faisait évidemment, bien sûr, dans des périodes de disette, comme on vient de dire, mais aussi à l'occasion de fêtes. Cette pratique existait déjà à cette époque, au IVe siècle, et se développera davantage au IIIe et au IIe siècle, donc pendant l'époque hellénistique, grâce surtout à des citoyens assez riches et, semble-t-il, un peu désintéressés, c'est-à-dire sans avoir derrière des buts diplomatiques ou politiques particuliers. Par exemple, on sait qu'au début du IIe siècle avant Jésus-Christ, la reine Laodice, l'épouse d'Antiochos IIIe, fera convoyer dans l'île de Iassos, côté de Milet et d'Halicarnasse, 1 000 médimnes de blé chaque année pendant 10 ans, à condition que l'argent recueilli par la vente du blé serve à doter les filles des citoyens les plus pauvres. Donc, vous voyez, il y a un esprit humanitaire derrière. On donne 1 000 médimnes par an de blé pendant 10 ans à condition d'utiliser l'argent pour doter les filles des pauvres, enfin, c'est des citoyens plus pauvres. Donc, évidemment, cela permet de relancer l'économie en même temps de l'île de Iasos. Ou encore, on a une inscription de Milet, toujours à côté, donc en Asie mineure, qui atteste une distribution gratuite de blé à l'occasion de l'anniversaire du roi Éomène IIe. Donc, vous voyez, il y a aussi des occasions spéciales qui peuvent être utiles pour une distribution gratuite de blé, donc pour ce phénomène de mécénat alimentaire. Parallèlement à la diversité géographique et climatique, il faut dire que la diversité, il faudrait dire aussi sociopolitique, la diversification des sources d'alimentation entre les régions et au sein d'une même région contribue à atténuer le risque de famine. Donc, ce n'est pas uniquement la présence des pluies, d'un fleuve ou d'une plaine par rapport aux montagnes qui atténue ce risque, mais évidemment, les Grecs connaissaient très bien la nécessité comment dire, s'ouvrir à d'autres formes d'alimentation, et notamment à côté des céréales, eh bien, ils pouvaient se nourrir, et ben on l'a vu même avec l'armée de Xerxès, d'arbres fruitiers, de troupeaux, donc, voilà, d'autant plus que les arbres fruitiers, par exemple, étaient moins sensibles aux conditions climatiques anormales que le blé, que les céréales. Le problème, c'est que le fait qu'en temps normal, les céréales constituaient indubitablement la base de l'alimentation, nous a conduit les chercheurs souvent à négliger d'autres composantes du régime alimentaire antique. En réalité, il y en a plein d'autres, il n'y a pas que le blé. D'abord, ils mangeaient plein de légumineuses, ça on le verra par la suite. Aujourd'hui, on en mentionne juste certaines qui sont un peu particulières, comme par exemple les figues. Voilà, c'est là, pardon, dans le passage que vous avez ici, qui furent nécessaires pour nourrir les troupes de Philippe V à la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ en Asie mineure, ou qui apparaissent pratiquement tout le temps dans les baux foncières, dans un bail foncier, donc, non? Et donc, les figues sont particulièrement caloriques et quand on n'a pas d'autres choses à manger, ben, on se nourrit de fruits et notamment de ce fruit-là qui est particulièrement riche en calories.
Sinon, par exemple, en temps de pénurie, la plupart des Grecs se tournaient aussi vers des denrées alimentaires qui étaient un peu inhabituelles, si vous voulez, un peu méprisées. Par exemple, Galien, le médecin Galien, cite des extraits de Hippocrate, médecin de Cos, concernant les maladies des individus qui se nourrissaient de lentilles et ça tout le monde les connaît, et de gesse, que vous voyez ici dans la diapositive, surtout lors de la famine. Donc la gesse, les lentilles, étaient l'alimentation de base de certaines communautés grecques d'époque classique et hellénistique en période de pénurie et de famine même. Le bétail aussi constituait, comme vous pouvez bien l'imaginer, une réserve importante en cas de famine. Et d'ailleurs, en Grèce, on le verra ça aussi par la suite, les sacrifices d'animaux, d'abord accomplis dans le cadre des sanctuaires, et puis plus en général dans le contexte de la cité, apportaient de la viande à tous les membres de la communauté. Donc le sacrifice animal était une ressource indispensable pour approvisionner le peuple, et surtout en temps de pénurie alimentaire. Il faut dire évidemment que, en tout cas sur la base de nos connaissances actuelles, qui peuvent changer dans les années à venir, la contribution de la viande et des animaux au régime alimentaire grec durant la période classique semblerait-il, a été mineure, mais elle s'avéra sans doute cruciale dans des situations de famine. Dans le cadre de cette étude, de cette recherche sur les stratégies de survie, il convient d'ailleurs d'évoquer également l'importance primordiale d'un autre élément, d'un autre facteur, le stockage, la conservation des animaux. Le stockage était une précaution évidente contre les mauvaises années de récolte, vous pouvez bien l'imaginer, on l'a mentionné tout à l'heure. Et Hésiode, le poète d'époque archaïque, insiste sur un stockage approprié et lui en fait un élément important de l'idéal d'autosuffisance qui lui-même a contribué à diffuser. Selon Hésiode, il est essentiel de faire des réserves les années de surplus en prévision des mauvaises récoltes, pardon. Il dit: Va, souviens-toi toujours de mon conseil, travaille, Perse, noble fils, pour que la faim te prenne en haine et que tu te fasses chéri de l'auguste Déméter au front couronné qui remplira ta grange du blé qui fait vivre. La faim est partout, la compagne de l'homme qui ne fait rien. Mais si tu amasses peu sur peu, si tu fais cela souvent, ce peu-là pourra devenir beaucoup. Qui ajoute à ce qu'il a, évitera la faim ardente. Vous voyez l'idée de stockage et d'un stockage graduel, progressif, continu dans le temps. Et là, il continue aussi, toujours juste après, quelques vers plus tard, il dit: Si tu acquiers peu à peu, mais souvent, tu auras bientôt amassé une grande fortune qui s'est ajoutée à ce qu'il possède déjà et évitera la noire famine. Ce qu'on a déposé dans sa maison ne cause plus d'inquiétude. Il vaut mieux garder ses biens dans l'intérieur de ses foyers, puisque ce qui est dehors n'est pas en sûreté. S'il est agréable d'user ce qu'on a près de soi, il est pénible d'avoir besoin de ce qui est ailleurs. Donc, vous voyez, il y a même là, mais évidemment, il faut aussi contextualiser la position d'Hésiode. On est à une époque très, très ancienne et il y a une approche, si vous voulez, qui est un peu conflictuelle, en tout cas qui n'est pas trop ouverte à l'idée du commerce, à l'idée de l'exportation. Et donc on voit effectivement l'idéal de l'autarchie, comme on disait, de l'autosuffisance, l'idée qu'il faut vivre par soi-même et qu'il faut se contenter de ses propres richesses. Donc vous voyez, s'il est agréable d'utiliser ce qu'on a près de soi, il est pénible d'avoir besoin de ce qui est ailleurs. Et évidemment, c'est
pas ce qui se passera concrètement dans les époques successives. Aux époques successives, pensons à la situation qu'on a déjà mentionnée pour la ville d'Athènes, qui ne vit que de ce qui se trouve ailleurs, voilà, ou presque, en tout cas pour ce qui concerne les céréales. Mais en tout cas, dès l'époque archaïque, il est clair que le stockage joue un rôle essentiel dans la, parmi les stratégies de protection, de survie. Et l'importance de la conservation emmène aussi à une réflexion sur ce que nous aujourd'hui nous appellerions plutôt la date de péremption. Bah, aujourd'hui, dans nos aliments, nous disposons d'une date qui est déterminée par la présence ou pas d'agents conservateurs à l'intérieur des aliments. Mais évidemment, et par ailleurs, nous avons des dispositifs qui nous permettent de conserver davantage la marchandise, des frigidaires, des congélateurs, etc. Or, à l'époque, ce n'était pas le cas, et donc le problème de la conservation, de la durée de la conservation, était un problème qui se posait concrètement. Ainsi, nous savons, par exemple, de Théophraste, malheureusement je n'ai pas la traduction en français, mais j'ai la traduction en anglais, j'espère que vous comprendrez, dans son ouvrage « Recherche sur les plantes », au livre 8, il indique que les grains conservés 2 ou 3 ans sont toujours comestibles, quoique moins nutritifs et inutilisables comme semences. Donc voilà, il y a même la réflexion sur les capacités nutritionnelles du blé, et des grains en général de céréales. Que le blé. Et de fait, il ajoute que certaines céréales se conservent mieux que d'autres, par exemple le millet, le lupin, et puis, il parle aussi des pois chiches. Voilà. Donc, vous voyez, comme stockage, je vais dire aussi durée de conservation. Il ne faut pas exagérer, parce qu'à un moment donné, si on conserve pendant longtemps, on finit par avoir de la nourriture moisie, de la nourriture qui n'est pas nutritive, ou même des graines qui ne peuvent même pas être vendues comme semences. Parce que parfois, il ne faut pas oublier cet aspect-là. Nous sommes face à des inscriptions qui témoignent clairement de la vente, non pas de blé, mais de semences, qui évidemment permettra de récolter à un moment donné du blé. Donc la semence est tout aussi importante que le résultat final. Or, la conservation des aliments constitue un enjeu essentiel, non seulement dans le foyer, au sein du foyer, mais au sein aussi, par exemple, des forteresses, des forts militaires, qui souvent contiennent ce que l'on appelle des sitoboleia, qui ne sont rien d'autre que des lieux de dépôt de stock de blé. Le terme to sitoboleion, sito vous voyez encore une fois, et ballo, on voyait, non, lancer du blé, on le trouve mentionné dans les inscriptions attiques d'Édènes de garnison et dans le contexte de la défense du territoire. Par exemple, je trouve à Ramnante, à Éleusis, au Sunion, donc à la frontière un peu de l'Attique. Et ici, on trouve des décrets honorifiques. En l'occurrence, le décret que vous voyez dans la diapositive est un décret du Sunion qui honore des officiers qui ont veillé à mettre en œuvre des conditions satisfaisantes d'approvisionnement pour les garnisons, en protégeant les travaux agricoles, les livraisons de grains et en construisant des réserves, justement, les sitoboleia. Ici, par exemple, un stratège de Sunion dont le nom n'est pas conservé, n'est pas préservé, est honoré pour le soin qu'il a pris aux questions d'approvisionnement, réparant des sitoboleia dans le territoire et veillant à l'entretien des stocks. Voilà, vous avez ici la référence notamment au fait qu'il a réparé episkevaste nai, donc c'est l'auriste, et il aurait reconstruit des sitoboleia. Mais quand on parle évidemment de lieux de stockage, je ne peux pas m'empêcher de parler des mégareibléa, des silos de mégareibléa. Alors déjà, mégareibléa, c'est une colonie grecque qui est l'une des plus anciennes d'ailleurs de Sicile et qui est fondée dans la deuxième moitié du 8e siècle avant Jésus-Christ et qui se trouve sur la côte orientale, sur la côte est de Sicile.
Selon les chercheurs, mais il s'agit d'une hypothèse qui reste encore tout à prouver du point de vue archéologique, avant la construction des premières habitations, qui remontent plutôt au début du 7e siècle, il y aurait eu une première phase d'occupation de cet établissement, une phase un peu particulière que les chercheurs ont appelée la phase des campements. Et oui, campement, parce que les colons, selon les chercheurs, auraient vécu dans la première phase dans des cabanes, dans des structures périssables. Or, ça, c'est une hypothèse. Et ce que l'on sait, voilà un plan de Megrebler, c'est que à cette époque, au plus tard, comme on dit en terminologie technique, terminus antequem, à cette époque, appartiendraient des silos en forme de bouteilles creusé dans le sol pour conserver les denrées alimentaires. Les silos ont été retrouvés ici, dans la zone connue sous le nom d'Agora, très connue d'ailleurs, l'Agora de Megrebrea, et notamment dans l'angle nord-est de l'Agora, on a découvert des structures, vous voyez, en forme de bouteille, donc des structures qui font des structures, ce sont plutôt des creux réalisés dans le rocher, qui par la suite ont été, au début du 7e siècle, ont été complètement remplis, transformés peut-être en botroy, structure donc sacrée, ou simplement abandonnées. Ce qui est clair, en tout cas, c'est qu'au 8e siècle, ces structures devaient être là, l'intérêt particulier de ces structures, de ces silos, est qu'elles ont une capacité qui semble excéder largement les besoins normaux d'une famille pour une année. Il est donc possible que ces silos aient eu une fonction collective. Donc, il est bien possible que lors de la première phase d'occupation du territoire de Megrebrea, les habitants aient pensé comme l'une des premières choses les plus importantes à creuser des silos pour pouvoir conserver les denrées alimentaires, et non pas pour une ou deux familles, mais pour probablement une grande partie de la population, de la première en tout cas génération de colons qui avait occupé Megara Iblea. Alors, si le stockage nous paraît assez clair, quelque chose qui nous échappe parfois parmi les stratégies de survie est le rapport avec le monde des dieux et le monde sacré, plus en général, des sanctuaires. Par exemple, le culte nous montre peut-être de bons exemples d'une réserve, d'une forme de réserve alimentaire et communautaire, avec ce que l'on appelle en grec les aparkai. Les aparkai, ça veut dire les premiers fruits, les prémices, hein, qui ne sont rien d'autre qu'une dîme offerte aux dieux, aux divinités. Par exemple, donc ça, ces premiers fruits, les aparkai, qui en réalité sont offertes aux dieux, qui sont offertes symboliquement aux dieux, peuvent constituer, surtout en temps de pénurie, une réserve fondamentale du point de vue alimentaire et pour toute la communauté. À Athènes, par exemple, on sait qu'une dîme était versée au sanctuaire de Déméter et Corée, qui se trouvait à Eleusis, notamment un 600e de l'orge cultivée et un 1200e du blé provenant de l'Attique, était stocké dans le sanctuaire d'Eleusis et il était revendu pour financer les cultes. Et cette réserve, c'est ça qui est intéressant. Donc normalement, les Athéniens devaient verser, c'est ça le processus, les Athéniens devaient verser de l'orge et du blé selon la ratio qu'on vient d'évoquer, un 600e d'orge, un 1200e du blé qui provenait d'Attique, ils devaient le verser au sanctuaire, comme dîme pour la divinité. Mais, comme aparkai pour la divinité, pour Déméter et Corée. Et ce blé, en réalité, il était vendu, revendu pour financer les cultes qui se développaient qui se déroulait au sein du sanctuaire. Or, en cas de pénurie, cette réserve de blé pouvait être vendue à un prix inférieur à celui du marché. Et cela, nous le savons aussi
grâce à des inscriptions. Ce n'est pas le cas. Là, vous avez l'inscription qui mentionne justement la 600e et 1200e d'orge et de blé versés au sanctuaire d'Eleusis. Et c'est une inscription qui date, comme vous voyez, de la fin du 5e siècle. Tandis qu'une autre inscription, celle de 329-328, la période post-Chéronée, donc la période de difficulté d'Athènes, vis-à-vis des ennemis macédoniens, de Philippe IIe et puis d'Alexandre le Grand, eh bien, pendant cette période-là, à cette période appartient une inscription qui montre comment cette réserve de blé, à l'origine dédiée à la divinité, pouvait être revendue à un prix inférieur à celui du marché. Donc, le sanctuaire, d'une certaine manière, contribue à faire face aux difficultés de pénurie alimentaire, déterminée par la pénurie alimentaire. Et dans ce contexte, on peut mentionner une dernière stratégie, il y en a encore d'autres, mais enfin on va se limiter à celle-là, mise en place en Grèce pour faire face à la pénurie. Je me réfère dans ce cas aux repas civiques. Des repas qui étaient habituellement offerts par un ou plusieurs bienfaiteurs, et il y avait une législation qui pouvait intervenir au besoin, par exemple, pour imposer à certains citoyens l'organisation de fêtes religieuses essentielles au maintien de l'ordre civique et plus en général cosmique, si vous voulez. Par exemple, on sait qu'à Athènes, à l'époque classique, il y avait une liturgie, celle de l'estiasis, fête de manger en commun. Cette liturgie assurer le financement de repas sacrificiels offerts par des contributeurs. Et donc, il y avait des citoyens qui étaient obligés de payer des repas à l'ensemble de la communauté et ils ne recevaient même pas d'honneur en retour parce qu'on jugeait qu'ils faisaient tout simplement leur devoir de citoyen. Et cette pratique, d'ailleurs, nous la retrouvons dans un passage très ironique de Théophraste qui est en train de décrire le personnage du pingre, n'est-ce pas, du radin. Et c'est là que dans un passage très, très rapide et très synthétique, eh bien, vous voyez, on voit bien que le citoyen pouvait offrir un repas aux gens de son dème, aux membres de son dème. Mais comme il était pingre, il faisait servir les viandes coupées en tout petits morceaux. Voilà, donc il avait aussi une façon, enfin, on était obligé de faire de prêter cette liturgie, mais en même temps, on faisait en sorte de faire le moins possible, pardon. Bien, si ça c'est l'ironie, il est vrai que la pratique de l'estiasis, en tout cas du financement des repas communautaires, relèvera de plus en plus de l'initiative individuelle à l'époque hellénistique dans le cadre du développement d'un phénomène que vous connaissez probablement, qui est l'évergétisme. Bien, on peut donc conclure un peu ce long parcours à travers les stratégies, d'abord la pestilence, le lime, c'est l'homme, et puis les stratégies de survie, en disant quoi? Disons que plusieurs stratégies ont été développées d'une façon plus ou moins consciente pour pallier les aléas de la météo et les troubles sociopolitiques affectant les récoltes et le commerce. Les autorités politiques ont parfois proposé des solutions, l'extension par exemple du territoire cultivable, l'annexion de territoires étrangers aussi, parfois, on n'a pas parlé de ce genre de choses, de la colonisation de nouveaux territoires, l'importation de nourriture, surtout de céréales, l'adoption de législations limitant la spéculation et la mise en place même de structures administratives facilitant l'approvisionnement de la collectivité civique. Or, il faut dire que si le ravitaillement en blé était une préoccupation constante de l'État romain, s'assurant aussi de l'approvisionnement régulier des marchés de la cité de Rome et d'une assistance alimentaire pour certains citoyens, dans le monde grec, les cités ont très rarement instauré un mécanisme public
en prévision de disette. Et les mesures attestées relèvent plus souvent de l'initiative personnelle de riches individus dont l'intervention est souvent ponctuelle. Dans les deux cas, en tout cas, les mesures adoptées sont moins des pratiques de charité. Je reprends à ce propos les paroles de Robin Nadeau, dont il y a un article très très intéressant dans l'ouvrage que je vous montre ici dans la diapositive « Profusion et pénurie ». Et un ouvrage que vous pouvez lire entièrement en passant par Domino de Parisien. Donc je disais, dans les deux cas, les mesures adoptées sont moins des pratiques de charité que des mesures politiques et religieuses visant à maintenir la stabilité, de préserver la pérennité des régimes en place et le maintien des élites locales au pouvoir par le biais de distribution alimentaire. Donc vous voyez, si l'État intervient, ce n'est pas trop dans un but humanitaire, mais c'est plutôt dans un but politique visant à maintenir stabilité, pérennité des régimes et le maintien des élites au pouvoir. En somme, pour reprendre les paroles et mots de Peter Gamsi, qui en a mentionné au début de ce cours, « In antiquity, food was power », n'est-ce pas ? L'alimentation, c'est le pouvoir. Et la nourriture, plutôt, était le pouvoir. Il y a donc une concomitance, une correspondance entre ceux qui possédaient le pouvoir et ceux qui détenaient les réserves de nourriture. Je vous remercie pour votre attention.